essayer de faire un peu de cheminée. Mais t'as pas de cheminée. Ça s'explique. C'est un peu chaud. Il faut qu'on se casse. Et ben voilà. Le nouveau décor est prêt. Nice. Eh, limite, c'est mieux que l'ancien. En fait, tout l'appart est mieux que l'ancien. Bah, je sais pas. L'ancien, il manque un peu. On a vécu tellement de trucs forts. Genre, je te rappelle que t'as disparu puis réapparu sans raison dans cet appart. J'ai dû t'exorciser, il y a des DVD envoyés du ciel qui nous sont tombés sur la tronche, on a tenté d'invoquer un démon, il y avait un pigeon mort. L'appart était hanté, mec. Il était hanté. On est rentré dans une dimension parallèle, dans une petite boîte blanche, on a bu un thé avec un envoyé du mal, on s'est fait tabasser, puis on a failli nous tuer. Deux fois. Ouais, mais souviens-toi, on y a tourné notre premier épisode de Darvec. Ça compte pas, ça, pour toi? Tu veux parler de cette merde? Je sais pas si c'est une bonne idée de commencer cash comme ça. On devrait mettre un truc avant le générique, genre un petit sketch, une intro, un truc comme... C'est vrai que c'était de la merde. Je te l'avais bien dit. Et genre, on le refait, mais au mieux. Pourquoi on ferait ça? Je sais pas, pour rendre hommage à Superman, le premier des super-héros. Non, moi c'est bon, j'ai déjà dit tout ce que j'avais à dire sur Superman et toi aussi. J'ai pas été honnête avec toi, Nicolas. J'ai jamais vu Superman Returns. Et je l'ai jugé. Ça change pas d'habitude, ça. Mais tu comprends pas! J'ai pas fait preuve de professionnalisme. La culpabilité est en moi. Eh bien, si on est à ce moment de s'avouer des confidences inavouables, moi aussi j'en ai une à t'annoncer. Je t'écoute. Tout le monde s'en bat les couilles de Superman. Superman Returns est donc un film de 2008 réalisé par Bryan Singer, également au scénario aux côtés de Dan Harris et de Michael Dougherty. Le trio est également responsable de X-Men 2 et de X-Men Apocalypse. Et c'est Brandon Routh qui porte le costume de notre kryptonien préféré. Bon, on va remettre le film dans son contexte. Superman Returns est en réalité le cinquième volet de la saga démarrée en 1978 avec le Superman de Richard Donner et le vrai Superman 3. En effet, les films Superman dans les années 80, c'était pas vraiment ça. Plus que des films, on avait surtout le produit de caprices de producteurs. Un peu comme dans Batman vs Superman. Non mais chut. Oui, donc, comme je le disais, les films Superman dans les années 80 étaient plus des comédies hyper potaches où Superman était là pour faire vendre des places. Donc Bryan Singer, en plus de redorer le blason de Superman, propose ici une suite directe de Superman 2, saupoudrée d'un remake du premier film. Après que des astronomes aient découvert les restes de Krypton, Superman décide de s'y rendre en vaisseau spatial, voir un peu ce qu'il en reste. Et il n'en reste pas grand-chose. Bon, à vrai, je vous raconte ça, mais dans le film, c'est juste un carton. Du texte, si vous préférez. Pourtant, les scènes ont été filmées, et c'est même disponible dans les bonus du DVD, mais non, ça a été coupé au montage, puisque le film dure déjà 2h30. Bref, son voyage lui a pris 5 ou 6 ans pour que dalle, et Superman décide de rentrer sur Terre, de s'écraser de nouveau dans le champ des Kent, et d'aller bosser au Daily Planet comme si de rien n'était. Sauf qu'avec le temps, les choses vont un peu changer. Lois Lane a fondé une petite famille, et en veut beaucoup à Superman qui s'est cassé sans lui dire au revoir. Donc après s'être pris le râteau du siècle, Superman décide de reprendre du service, permettant à Singer de reprendre des scènes du premier film en plus balèze. Il n'y a pas de vilain dans ton film. Ah si, merde! Le vilain du film, c'est Lex Luthor, interprété ici par Kevin Spacey, qui après avoir trouvé la forteresse de solitude de Superman, décide de conquérir le monde. Ça fait du bien de voir un vilain dont l'objectif de vie est si simple. Bref, Superman va l'arrêter et mener un combat interne pour retrouver foi en son rôle de protecteur de la Terre. Bah, en vrai, je comprends pas pourquoi les gens haïssent autant ce film. Ça joue plutôt bien, c'est plutôt bien écrit, la réalisation de Bryan Singer est assez efficace. Certes, c'est long et ça a un peu vieilli, mais il y a de très bonnes idées là-dedans. Ouf ! Ah, je me sens libéré d'un coup, là ! Bah, c'est bien. Quoi, c'est tout ce que t'as à dire, hein ? Wesh, c'est bien. Bah écoute, ouais, là on est pas mal.
On peut remballer maintenant? Attends, tu vas pas parler comics ou je sais pas? Oh, je trouve que j'en ai déjà dit beaucoup. Hein. Il y a trois manières de présenter les origines du super-héros en costume bleu et rouge. Oh merde, pas ça! Superman est le premier super-héros à proprement parler. En fait, c'est à partir de Superman que l'on utilise le terme super-héros, et ce dès 1939. Imaginé par Jerry Siegel et dessiné pour la première fois par Joe Shuster, dans le premier volume d'Action Comics de l'éditeur DC, Superman est à la fois une icône, une image reconnaissable et hyper codifiée. On le surnomme même parfois Man of Steel. Attends, c'est tout ce que t'as trouvé comme transition là ? Eh, je te répète que je voulais pas bosser à la base. Non mais à ce compte-là, moi je vais chercher le robot des transitions nulles, hein. Parce que je ne sais pas si t'es d'accord, mais là ça sent quand même beaucoup le robot des transitions nulles. Je suis le robot des transitions nulles. J'aurais voulu enlever ce souvenir de ma vie. Bon, il est temps de revenir vite fait sur Man of Steel. Sortant 2013, écrit et réalisé par Zack Snyder, épaulé par Christopher Nolan et David S. Goyer, qui sont assistants scénaristes. Bon, pour le résumé, on va faire très rapide, alors attention, accrochez-vous. C'est une origin story suivie par l'invasion de la Terre par le général Zod, tout ça saupoudré par une métaphore christique pas du tout appuyée. Comme dans Batman vs Superman en fait. Non mais ferme-la! Qu'est-ce qu'il y a à dire sur Man of Steel qui n'ait pas déjà été dit? Honnêtement, pas grand-chose. J'ai longtemps eu du mal avec ce film, le trouvant beaucoup trop long pour ce qu'il a à raconter. Même si je trouve la réalisation de Snyder très efficace, la musique épique et les combats dantesques. Même si un peu fouillis parfois. Comme dans Batman vs Superman, en fait. Mais ferme ta gueule! Zack Snyder avait toutes les cartes en main pour créer un véritable univers étendu, mais j'arrive pas trop à voir où est-ce que ça a foiré. Ah si, il y a deux raisons en fait. C'est pas son travail, il en avait un peu rien à foutre, et puis les producteurs de la Warner ont un peu tout niqué. Ça fait trois raisons en fait. Alors résumons Superman. Enfin c'est difficile de résumer un comics vu que ça n'a pas de fin. Enfin si, parfois les héros meurent. Comme en 1992 avec la mort de Superman. Superman est un alien quasi-divin surpuissant qui vit peinard sur la Terre mais que tout le monde vient faire chier. Aujourd'hui c'est au tour de Doomsday, un mec pas beau qui casse des murs avec ses poings. Plus on frappe, plus il devient fort. Alors Superman le cogne si fort qu'il meurt tous les deux sur le coup. Si vous voulez lire les origines de Superman en comics, je vous recommande Superman Birthright de Mark Waid et Lynil Francis Yu entre 2003 et 2004 et For All Seasons de Jeff Lemb et Tim Sale en 1998. Si vous voulez lire du Superman récent de 2017, je vous recommande Son of Superman de Peter Tomasi et Patrick Gleason avec Clark Kent et son fils. Et s'il ne doit en rester qu'un, ce sera Superman Red Son de Mark Millar en 2003, une uchronie où Superman est devenu communiste. Alors, à travers tous les comics, on peut se poser cette question. Quelle est la place de Superman? Je disais que pour répondre à ces problématiques dans Darvec, il fallait reprendre le contexte de publication, c'est-à-dire son époque, le contexte dans le milieu éditorial, mais aussi dans l'ensemble de la narration. Je m'explique. Superman est un héros, c'est le personnage principal de ses histoires. Mais pour l'éditeur DC Comics, c'est son héros, son image. Et pour le monde entier, Superman est l'image du super-héros. Alors, la place de Superman n'est pas si évidente que ça à définir, tellement elle est dense. Est-ce qu'il est le sauveur de la Terre, un héros? Un altruiste ou le dieu ultime de cette planète qui ne l'a pas vu naître? Et pour le genre super-héros, qui est-il vraiment? Un archétype? Le porte-parole? Ou un cliché? De mon point de vue, il est peut-être des trois à la fois. Souvenez-vous, c'était en 2007 dans le film Je suis une légende. Très mauvaise adaptation au passage. Alors Will Smith se promène tranquillement dans un New York dévasté et on peut apercevoir sur une affiche de cinéma Batman vs Superman. Vous en rêviez, la Warner l'a fait. Enfin, du moins, ils ont essayé. Batman vs Superman est donc un film de 2016, toujours réalisé par Zack Snyder, plus ou moins, et écrit par Chris Terrio et David S. Goyer, plus ou moins. Et je dis plus ou moins parce que le film a été un véritable développement interne, ou un développement de l'enfer. En gros, c'est quand un film est écrit, réécrit pendant le tournage, conduisant à des reshoots, conduisant à une version cinéma complètement hachée et incompréhensible. En bref, je vais vous faire un petit résumé rapido. Superman est tout triste, Batman est en colère, et Lex Luthor est complètement taré et vient remuer la merde avec un bâton. Superman et Batman se battent, découvrent que leur mère s'appelle pareil et par conséquent deviennent les super meilleurs amis du monde.
Au cinéma, c'est ce qu'on appelle l'effet Martha, nommé à la suite de Batman vs Superman, justement. Alors c'est un syndrome scénaristique qui dit que une personne ou un groupe avec une opinion déjà établie change d'avis, de camp, de relation et ou d'opinion en entendant seulement une phrase ou en voyant une seule image. Un autre exemple. Je te dis que c'est le robot dans Alien qui est le mieux. Non, c'est Ava dans Ex Machina. Le robot dans Alien. Ava dans Ex Machina. Et Terminator 2. C'est mon film préféré. Moi aussi. En parallèle de ça, les scénaristes ont voulu rattraper leur retard sur Marvel et Disney, en mettant en place un univers étendu en un seul film, là où Marvel a mis plusieurs années. Et par conséquent, dissémine des petites miettes de pain à droite à gauche pour mettre en place le film Justice League, mais ça, c'est une autre histoire. C'est marrant parce que tout ce que j'ai envie de dire sur BVS, c'est exactement ce que j'ai envie de dire sur le film Green Lantern. On fait un épisode sur Green Lantern. Oh 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 oh, 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 méga bonne idée. Oh oh oh, 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 oh. Oh, prochain épisode Green Lantern. Je sais pas si on devrait terminer Cash comme ça. On devrait, je sais pas, faire une vraie conclu, mettre un petit sketch ou un truc comme. Le chat, c'est parfait. Faut qu'on ait un chat, on aura plus de vues avec des chats. Ah bah tu garderas celui-là si tu veux, mais en attendant, on va pas finir Cash comme ça. Y'a rien de Zachary. Non, on s'en fout. Tu peux l'avoir, c'est un sticker. Non, le chat Le chat. Oh putain. Ça a bougé, non? Oui. Carrément, ouais. Et le cadre, il a bougé ou pas? Non, le cadre est toujours bon. Ah, tu, ok. Tu peux l'avoir en mode extra large, et en extra large, il fait... Ah non, c'est des millimètres, je croyais que c'était des centimètres. Ah. Parce qu'il faisait, sinon il faisait 3 mètres de haut. En fait, il fait 3 centimètres. Ouais, c'est ça. Pff.